Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on parle de The Night Flight Orchestra. Retour à La Cassette pour cet épisode spécial sur The Night Flight Orchestra. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, le gars dont les projets ont foiré parce que c'est un enfoiré, Bruno Marotte. Hey, what's up les cocos? Mais justement, mes projets ont foiré parce que t'es encore trop sous pour pouvoir m'aider parce que monsieur, il aime boire. J'ai des preuves de ça! Tes projets, ils ont pas foiré à cause de moi. T'es supposé voir une fille à soir, puis ça a non, c'est un ami. Mais c'était une fille? C'est une amie de fille, mais c'est pas... Ben c'est ça, c'est une fille. Ouais, mais c'est pas avec quelqu'un que j'avais l'intention de dater. Je suis moins Bruno que tu précises que c'était juste un ami. Ouais, mais j'avais pas l'intention de la dater. Non, mais tu sais, c'est ça que j'ai dit. T'as vu une fille à soir, mais non, c'est un ami. Ben, c'est un ami de fille, c'est une fille. Anyway, ouais. Aujourd'hui, est-ce Bruno... Est-ce que c'est une mauvaise intro? Bienvenue à La Cassette, le meilleur podcast musical du 450. Ouais, à peu près ça. Hein? Puis le 418, on le laisse au 3345. Et voilà, exactement. Parce qu'on n'a pas envie d'être hot au 418. Ça pue, Québec. Sérieux, là. Ouais, puis ouais. Le 819 mais aussi. Mais qu'est-ce qui est fait à Québec? Non, le 5... Moi, j'ai un des podcasts musicaux numéro 1, 514-450 represent bitches. 438 pour les intimes. Mais c'est-tu qu'est-ce qui est fait à Québec? Limoilou. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, c'est déjà comptable. T'as bien des raisons. Limoilou, calice. Anyway, non, mais aujourd'hui, en remerciement pour un généreux don qu'on a eu sur PayPal de la part de Olivier Gobeil. Oui! Pour un épisode sur The Night Flight Orchestra. Vous vous sentez généreux comme Olivier Gobeil, vous allez sur notre page Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter » et vous donnez généreusement à notre page PayPal. Minimum 5 $, maximum, ça n'existe pas! Pour avoir un épisode complet de La Cassette sur la discographie d'un band que vous voulez. Puis aujourd'hui, ben, Olivier a donné pour The Night Flight Orchestra. Puis d'ailleurs, on remercie tout le monde qui ont donné. En fait, dans les derniers épisodes, on a mentionné une couple de fois qu'on avait reçu des dons de plus qu'on allait faire d'autres épisodes. Puis honnêtement, il y en a que j'ai l'impression qu'on a eu l'air d'avoir oublié de nommer juste parce que ben on a reçu les dons après les enregistrements, mais avant les diffusions. Fait que... Juste vous dire, c'est pré-enregistré un podcast. C'est ça. Vous l'apprenez aujourd'hui. Donc, Bernal, il n'existe pas, ça, pour by the way. Si on n'a pas mentionné votre don encore, ben c'est juste parce que ça s'en vient, mais on vous a pas oublié. Puis je suis content parce que beaucoup de gens, c'est ainsi qu'ils donnent, puis je vous en remercie tous et chacun personnellement. Parce que grâce à vous, je vais pouvoir envoyer Xavier à Maison Jean-Lapointe. Puis grâce à vous, ben, je vais pouvoir m'acheter des nouveaux micros. Ouais. On va pouvoir s'acheter des nouveaux micros. Le jeu ne t'inclut pas. Non, parce que toi, ton projet, c'est de m'envoyer à Maison Jean-Lapointe. Moi, mon projet à moi, c'est d'acheter des micros pour La Cassette. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah ben, j'anime un podcast. Non, qu'est-ce que t'as dans la main droite? J'ai une bière dans la main droite. Merci. Ben, tu bois la même bière que Louis T. T'es clairement aspergé. Non, en fait, j'ai une histoire avec cette bière-là. En fait, là, je bois de la Rolling Rock en ce comme moment. Comme Louis T. Ben, y a une raison simple, c'est que tantôt... La bière des autistes. Tantôt, en prévision de recevoir... Je pensais dire en privé. Non, en prévision de recevoir toi et nos amis qui s'en viennent tantôt, ben, je me suis dit, bon, je vais aller chercher de la bière. On va du monde à la maison en soir. Puis là, j'avais en tête de boire de la Miller High Life parce que c'est le champagne de la bière. On n'a pas la même définition de champagne. Hey, pour vrai, je la trouve tellement bonne. Mais bon, mais il n'y en avait pas au IGA, fait que j'ai acheté de la Rolling Rock à la place, puis elle est incorrect. Elle fait un job. C'est comme Louis T. Fait un job. Il fait rire, pas pire. C'est ça. Toi, t'as l'air d'un gars qui écoutait Jean-Thomas et Mike vous écoute. Oui, mais c'est parce que j'ai aussi écouté... Tu fais plein de gags de Louis T depuis que t'es arrivé chez nous. Non, mais c'est parce que j'ai aussi écouté l'épisode quand il était avec Julien Bernatchez, sous-écoute, qui était quand même assez drôle. Deux alcooliques puis un autiste. Ben, c'est surtout un combo magique. Louis T, à chaque fois qu'il était sous écoute, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de bien s'entendre avec l'humoriste qui était avec. Mais, tu sais, une fois, c'est correct, mais deux fois, c'est correct aussi. Mais là, plus on le voit, plus on dirait qu'il s'entend pas bien avec l'humoriste qui est magique. Moi, j'ai l'impression que c'était tellement... il a de la misère à vivre en société. C'était tellement drôle comme match. Louis T puis Julien Bernatchez. Il n'y a personne qui aurait pensé à ça dans la vie. Zéro, ça fait fuck all, puis c'est parfait comme ça. Je pense que c'est ça qui est la force de ses écoutes. C'est quand tu reçois deux invités, tu te dis, mais on calisse, pourquoi? Pourquoi? Anyway, c'est pas pour parler de sous-écoute qu'on est là aujourd'hui. C'est pour parler du groupe Un Night Flight Orchestra. Pis, sors avec. Là, je vois que t'as pas ton. Arrête de name dropper des jokes de sous-écoute. Jerry, bon, Bruno! Écoute, vous êtes maintenant à la cassette, change son nom pour.
sous-écoute. Sous-écoute. T'es sous-écoute à cette heure. Mon nom, c'est Mike Ward. Je suis un gros vegan. Puis son nom, c'est Mike Ward, un gros alcoolique. Mais de toute façon, on va se dire une affaire. Eux aussi, ils ont changé de concept avec, avec Mike et Jean-Thomas vous écoute. Ils sont devenus trois bières. Puis c'est un peu vrai. Ouais. Bon, hey, écoute, Night Flight Orchestra, fais-moi une belle petite biographie. Écoute, c'est quoi ça? Night Flight Orchestra est un groupe de Suède! De Helsingborg. Pareil comme Ikea. Ouais. Exactement. Formé de deux gars qui ont des pages Wikipédia puis des autres qui n'ont pas de page Wikipédia. Fait que c'est formé de Björn Strid du groupe Soilwork, excusez, pardon, et de Charlie D'Angelo. Là, je nommerai pas les autres noms de band, les autres membres du groupe, parce qu'ils n'ont pas de page Wikipédia. Il y en a juste à en avoir, le bassiste d'Ark Enemy. Mais comme dirait notre ami Rudy Kaya, Arch Enemy! Mais il y a bien du monde qui se débrouille un peu moins bien en anglais puis qui vont lire le CH comme si c'était un ch comme en français. Non, mais, non, mais c'est pas la même langue, Jerry Boy. Mais il nous obstinait. Comme, c'est Arch Enemy. Non, c'est Ark Enemy. Écoute, j'ai un autre exemple. Il y a un groupe qui s'appelle Silverstein, puis je sais qu'il faudrait qu'on dise Silverstein, mais le groupe, il dit Silverstein, parce qu'eux autres même sont même pas capables de prononcer comme du monde leur propre nom de groupe. Puis juste pour cette raison-là, on fera jamais d'épisode sur Silverstein. On peut en faire un sur Silverstein, par exemple. Ah, quand même. Mais non, mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, Marc-André parle pas anglais, puis eux autres, ben, ils parlent pas allemand, fait que c'est pas grave, là. Ouais! Bienvenue à la cassette! Fait que Night Flight Orchestra! Oh, Alice, ça va bien aujourd'hui. Est-ce que ça va être le fun? On va être des tendances de la semaine sur Balado Québec avec l'épisode de même. Tu sais, aujourd'hui, je suis brûlé un peu. Moi, t'as l'avoué, je suis brûlé parce que j'ai passé la journée à enregistrer. En fait, on est rentré en studio pour le deuxième album des Costauds. Fait qu'à cause de ça, j'ai passé la journée dans mon studio, puis j'étais un petit affaire fatigué. Mais on le fait, man, à soir, le podcast. Ouais. On le fait! Puis Night Flight Orchestra, on va s'amuser à écouter ça. Le plus meilleur podcast de la planète. Ben, sérieusement, ouais, pour vrai, écoute, on, là, depuis tantôt, on déconne, est-ce qu'on est zéro sérieux? On est le podcast le plus hot dans le plus 1. Plus hot dans le plus 1? Ouais. Le plus 1, c'est le code régional en Amérique du Nord. Ah, putain, tabarnak! Hein? C'est comme le zéro, mais en Europe. Non, zéro. Non, en Europe, ça dépend des pays. Plus 44, c'était basé sur le plus 44 du code téléphonique. Ah ben oui, hey, c'est wise ton affaire. Bon, écoute, mais qu'est-ce qu'on a dit je sur notre sais, merci. C'est un band de boogie ou disco, c'est selon votre goût. Câlisse, t'aimes ça voler des gags à des podcasts non, aujourd'hui? Aujourd'hui, là, c'est l'épisode Gad Elmaleh. Je vote tout au podcast. L'épisode Gad Elmaleh. Bruno vole tout au podcast. C'est ça que je fais, là. Ben... Tantôt, je vais roter des micros comme Yann Terrio. Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Câlisse. Jerry Boy. Non, non, mais pour vrai. On n'aime pas de podcast de Québec, c'est pas hot Québec. Non, non, mais on n'aime pas de podcast, point. À partir de ce moment-là, on ne gâte mal pas de podcast. OK. Tu veux, Elmaleh est rendu un verbe, on ne gâte mal pas. Des podcasts. La barnique! Hein? Fait que t'as-tu amené trois bières? J'en ai amené juste deux, non? OK. Mais j'en ai bu une tantôt, fait que c'est trois. Ben ouais. Non, mais non, mais non, 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 on va arrêter. Là, comme on reprend notre sérieux. Ouais. Hey, c'est ridicule. Non, non, mais qui est un band de funk rock, de hard rock, classic rock. En fait, on pourrait pas le. J'ai de la misère à le. C'est dur à qualifier. Ouais, c'est puis, ça. Puis honnêtement, quand on a reçu ce don-là, on était ensemble. En fait, on venait d'enregistrer un épisode. Mon cell a sonné parce que j'ai une notification quand on reçoit des emails. J'ai fait ah, on a un don, cool. Puis, on s'est regardé, on a fait « C'est quoi cette bande-là? C'est quoi cette affaire-là? » Puis surtout qu'ils nous avaient nommé le nom des bandes associées. C'est ça. Puis on a juste fait comme « Oh non, pas de l'hostie Swedish death metal. » Il avait donné pourquoi d'autres avant, Olivier? Crazy Town. Crazy Town. Corneille. Il y avait Corneille, puis c'était pas lui qui avait un band Parkway Drive. Parkway Drive. Fait qu'on s'entend-tu que moi, j'avais on des s'en... attentes assez absurdes? T'sais, c'est tellement disparate, ces dons-là. On sait pas à quoi s'attendre Olivier. Je pense qu'il rit un peu de nous autres, mais il nous donne de l'argent pour c'est ça. C'est quand même notre super fan sur Facebook. Non, mais je veux dire, il nous donne de l'argent pour... On s'entend nous faire endurer de la musique à tour de bras qui a pas rapport. On s'entend... Fait que les attentes étaient comme un peu spéciales. Puis quand la tune a parti, j'ai fait... Ah, oh, tabarnak, pour une fois, ça va être le fun. Mais honnêtement, ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, je pense que son pire don de band, je pense que c'est Crazy Town. On va s'entendre là-dessus. Ah, ouais, mais Crazy Town, c'est toi qui arrêtais pas de la têter, fait que c'est ta faute. Oui, OK, je l'assume parfaitement. Crazy Town, c'était de ma faute.
Mais en même temps, on a quand même eu un bon don. Mais reste que... Puis ça va être fait, on le fera plus jamais après Chris Town. Mais parler de Parkway Drive, ça a fait de quoi de tout ce qu'on a fait qu'on était belle bédaine? Ouais, qu'il n'y a pas une si belle bédaine que ça. C'est ça. Puis parler de Corneille, ben, honnêtement, ça donne... J'ai eu du fun à faire un épisode sur Corneille. Ouais. Ça faisait un changement. C'était, puis surtout, j'ai pété une coche contre un certain Carl Fortin. Ouais. Puis après ça, Carl Tremblay, je me souviens plus de ton nom, mais je t'oublie pas, mon tabarnak. C'est Tremblay, by the way. C'est Carl tout le temps. Hey, le nom des Saguenayens, là, c'est soit Tremblay, Fortin ou Langevin. Carl Tremblay, quel gars, c'est le même nom que le chanteur des Cowboys fringants. Carl Fortin? Carl Tremblay. Ah non, je sais pas pourquoi faire ça. Carl Tremblay, j'ai pas oublié ton nest commentaire sur Pling Floyd. Pling Floyd, hein? Pling Floyd, exactement. Pling Floyd. Je m'en allais dire Pling Floyd. Pling Floyd. Mais non, Pink Floyd 3, que toi pas, je t'ai encore rancunier mon cri. Mais à bon, mémoire longue! Mais tout ça pour dire, bon, on recommence. On n'avait pas d'attente, mais on a eu du fun. Oui. C'est le ça. Premier album, on va en parler tant qu'à faire. Tant qu'à en parler. Ben oui, mais on arrive déjà à la fin du premier album dans la playlist. Internal Affairs. Internal Affairs, qui est un album excessivement surprenant parce que, justement, dû au fait que c'est des musiciens de death metal, on n'avait pas d'attente. On s'attendait à pas aimer ça. C'est ça. Faut pas avoir peur d'appeler un chat un chat. On s'attendait à pas aimer ça parce que bon, ben du métal, du death metal, ouais, ça va être. Mais non, on n'a pas ça du tout. On a de quoi de funky au bout. On a de quoi de prog. On a de quoi qui est. De disco. Très disco. De dansant. De dansant. Puis on a de quoi qui est. Cheesy as fuck. Très glam metal en même temps. Ouais. Tu sais, moi, j'ai l'impression d'avoir. Du vieux qui sonne neuf. Parce qu'elle était faite assez récemment. Là. Ils ont 4 albums. Le dernier est sorti cette année. Puis... De 2012 à 2018. C'est ça. Même, c'est pas vieux comme groupe, mais ça sonne années 80 à fond. Mais tout ce qui s'est fait années 80. Il y a des tunes. La tune qu'on avait en introduction tantôt, là, je me souviens plus c'était quoi le titre. Ça me rappelait beaucoup Yes avec Roundabout. Ouais. Le même genre de slapping à la bass avec des harmoniques aux guitares. C'était super le fun. On dirait un pastiche des années 80, mais tout ce qui s'est fait pendant ce temps-là. Fin de 75 à 85, à peu près. Ouais, ouais. Plus, parce qu'il y a quand même aussi un côté très... Il y a un côté aussi Boogie Wonder Band. Ouais, il y a... Il y a un côté Donna Summer. Il y a un petit côté jazz. Écoute, j'avais le goût cette semaine de faire une liste de tous les artistes à qui ce band-là me faisait penser. Puis là-dedans, il n'y avait pas juste des artistes des années 80. C'est ça qui est assez fucké. Ben, c'est ça, mais moi, je suis sûr qu'ils ont été au boule noir puis ils ont fait comme tabarnak, on va faire ça. Le band m'a rappelé Steely Dan. Le band m'a rappelé Kiss. Le band m'a rappelé, étrangement, Davenport Cabinet. Du début à la fin jusqu'au dernier album, je pensais à Davenport Cabinet, même si ça n'a pas rapport pantoute. Ça m'a rappelé Thin Lizzy. Mm-hmm. Ça m'a rappelé... Écoute, je ne sais plus, j'aurais dû faire la liste pour vrai. Ouais. Mais The New York Dolls? Oui. T-Rex? Puis à chaque fois, je disais, wow, c'est un beau pastiche de ça. C'est littéralement ça. Je pense qu'ils se sont dit, on va revivre ça. On va revivre l'époque jusqu'avant que le sida vienne tout gâcher. Oui, exactement. Puis wow, que c'est le fun. Écoutez, la vibe est tout le temps le fun. C'est tout le temps too much. Tout le temps. C'est over the top, non-stop. Chaque chanson on dirait qu'ils ont mis la pédale de too much à 400, genre. On dirait une toune d'intro de Luther des années 80. Ouh, c'est malade, tu sais. Puis c'est ça tout le long, mais c'est le fun. Puis honnêtement, à partir du premier album, moi, j'ai l'impression que c'est du cliché. Mais du cliché voulu, du cliché désiré, du cliché recherché, on va toutes les faire, des clichés. Ouais. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé l'album. Honnêtement, je vais donner un 8 sur 10 à l'album. Ouais, avec, je vais donner... Qui est très bien fait, qui sonne bien, puis on s'entend, c'est une réalisation qui rappelle l'époque, mais avec des moyens d'aujourd'hui. Puis ça, c'est pas peu dire... Tons Repeat, ça va être Montreal Midnight Supply, parce que, hey, vive Montréal, ouais. C'est chez nous. Ben non, en plus, chez nous, c'est plus la campagne de Montréal, mais bon. Et à skipper, ça va être Green Hills of Guns Love, qui finissait l'album, qui est une petite affaire slow. Là. Bon. C'est ça. Je vais donner un 8 sur 10. On va s'entendre aussi sur Montreal Midnight Supply, comme tune sur repeat. C'est bon. Puis, tune à skipper aussi Green Hills of Guns Love. T'as-tu copié sur mes notes? Non, mais c'est parce que... C'est parce que quand j'ai vu le titre de la toune de Montréal, j'ai fait comme... Tu sais, au début, j'écoutais la toune, j'avais pas vu le titre. Je fais, hey, Chris parle de Montréal. Je fais, hey, c'est Montréal. C'est un velours, hein? Ouais, c'est drôle, hein? Je trouve ça drôle parce que moi, le patriotisme dans la vie, c'est quelque chose que je trouve... C'est pas du patriotisme, ça, c'est du chauvinisme. C'est pas pareil. Ah, peut-être, mais tu sais, mettons la
mettons qu'on pense patriotisme, c'est d'être fier de où ce que tu vis, puis de dire que où ce que tu vis, c'est la meilleure place au monde juste parce que tu vis là, ce qui est complètement stupide. Ce qui est complètement stupide parce que par définition, partout qu'il y a dans le monde, où ce qu'il y a du monde qui vit là, ben partout, c'est la meilleure place au monde, c'est impossible. Sauf la Syrie. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que tout le monde pense que la place où ce qu'il vit, c'est la meilleure. Ça marche pas, c'est impossible, tu sais. Puis tu sais, par définition, là, on se dirait, ben si c'est vrai, on va y aller statistiquement parlant, ben le pays le plus populé au monde, qui est probablement la Chine, va se ramasser être le meilleur pays au monde parce que, ben si tout le monde est patriotique là-bas avec, on va se dire que ça va être eux autres qui vont l'emporter. Mais je pense pas que la Chine, ça soit le meilleur pays au monde. Non. Anyway, ça pour dire le patriotisme, je trouve ça stupide. Mais d'entendre le nom Montréal dans une toune d'un band suédois, moi, j'étais content. Ouais. Faisais un vlog, je voulais que les expos reviennent. Pensez rien qu'aux expos, moi. Bon, ben... UPX Amit marqué numéro 1. Ouais, fait que je vais finir ma critique de l'album. Je suis pas d'humeur à soir. Ben ouais, t'as bu, ça paraît. Ah, et j'ai bu une bière avant ça. Puis t'as bu d'autres choses. Non. T'as bu de l'eau de toilette. Non. Ouais. Non. T'as bu dans ta toilette. Non, non, je suis étrangement très à jeun, mais très de bonne humeur. OK. Fait pas étrangement, en fait, je pense qu'il y aurait un problème si j'étais pas de bonne humeur à jeun. C'est ça. L'album Internals Affair pue le fluo et c'en est agréable. Oui, oui. Puis c'est un album de party dansant qui mixe le disco, le new wave, le glam metal avec un côté très prog, très intéressant, une belle surprise comme premier album. C'est ça. Skyline Whispers. Deuxième album qui est... Qui surprend plus par son côté glam que on est moins dans le disco, moins dans le boogie. Ouais. On est plus dans quelque chose glam, new wave, début des années 80. Tu sais, c'est ça l'affaire. Disco boogie que tu mentionnes, on s'entend, il y avait un son de jazzy au premier album qui amenait ça, le disco puis le boogie. Sur cet album-là... On amène des claviers. Des claviers, des beats. Tu sais, ce qu'on entend en ce moment, là... On dirait une toune de Rocky 2. Ouais, mais ça pourrait être une toune de Pink Floyd sur The Wall. Ça pourrait être genre Run Like Hell. Ouais. Ça pourrait être tellement d'affaires, là. Je veux dire, c'est une marche. N'importe quelle toune qui est une marche va tellement fitter avec cette vibe-là. Mais non, je pense Rocky, tu l'as. Tu l'as avec ça. Apollo Creed. Ça, mais tu sais, ça fait Eye of the Tiger, mais moins vite. Fait qu'à la place de courir, on fait juste un petit peu de la marche rapide. Comme toi et ton jogging. Ouais, ça a pas duré longtemps. Je le savais tellement que ça allait pas durer. Non, mais j'ai quand même fait pendant 2 semaines. Mais à un moment donné, il a mouillé. Puis le lendemain, je suis pas retourné. Ah non, t'as fait ça qu'il fait beau. Ah non, on va me crosser. Non, non, mais c'est ça l'affaire. C'est tu sais, la motivation vient en le faisant, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben, j'irai pas courir à la pluie. À un moment donné, je le ferai pas, tu sais. Déjà qu'un lendemain de pluie, à un moment donné, mes souliers étaient trop. Si je compte des Converse, là. Fait que, on s'entend que si t'avais investi de l'argent, t'aurais été motivé de dire faut que je rentabilise mon investissement. Peut-être. Ou bien je l'aurais retourné parce que ça aurait fait moins de 30 jours, comme mon entraînement. Non, non, mais c'est ça. Puis là, ben, il a mouillé, puis le lendemain faisait beau, mais tu sais, j'avais déjà triché une fois, fait que c'était tentant. Triché tant qu'à faire deux fois. Moi, j'étais non, mais je veux dire, il y a jamais 203, hein. Exactement. Moi, j'étais allé au gym aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait demi-tour parce qu'il y a eu un dégât d'eau dans le gym. Ah. J'ai fait, ah, ben, tabarnak. Fait que là, demain, tu iras pas juste parce que t'as une excuse, t'es pas allé la nuit. Non, je vais y aller demain matin, faut que je me lève de bonne heure. Fait que toi, tu te lèves pour aller t'entraîner. Ouais, puis parce que j'ai des choses à acheter, parce que je reçois du monde à souper demain, puis je fais un beau souper vegan. Puis tu m'invites pas. Tu connais pas le monde, de toute façon, tu pues. Je te présente pas aux autres. Ben, je te laisse dans ta cage, singe. First, je sens très bon, je me lave très régulièrement, genre 2 fois par jour. Puis de deux, ben, ça se peut que je connaisse pas le monde, c'est correct, je te pardonne. Moi aussi. Surtout, tu vas voir mon oncle Serge, puis là, tu chiales que je t'invite pas, mais tu vas voir mon oncle Serge, ton grand ami. Ben, mon grand ami, pas mon grand ami, je l'ai vu 2 fois. Ben, non, en fait, donc, je l'ai vu souvent parce que j'allais voir ses shows, et j'ai parlé 2 fois. Bon, tu as fait un vidéoclip avec mon oncle Serge. Ouais, t'as fait sa première partie, moi, on en a parlé out. Pendant Oasis, ça, là. C'est pas Oasis. Allez télécharger les épisodes d'Oasis, c'est tout. OK, c'est bon. Bon, qu'est-ce que t'as pensé du deuxième album? Je l'ai aimé aussi, dans la même lignée, très surprenant. L'effet de surprise, c'est le côté glam metal avec le côté new wave mélangé ensemble, ce qui sort de la zone de confort. Rien à dire là-dessus, ça pue encore le fluo, c'est encore dans la même intensité. Je vais donner un 8 sur 10 encore.
Tunes Repeat, Sail On, qui ouvre très fort l'album. Aucune tune à skipper là-dessus. Honnêtement, moi, j'ai de quoi à skipper là-dessus. En fait, tu sais, cette bande-là, c'est le genre d'affaire que tu mets peu importe ce que c'est en train de faire. Ouais. Tu prends ta douche, tu coupes le gazon, tu fais la vaisselle, tu conduis, tu joues au tennis. N'importe quoi que tu fais, n'importe quoi. Tu joues pas au tennis. Supposons que tu joues au tennis. T'es pas assez en forme pour faire du sport. Ben, j'ai joué au tennis l'année passée. Non, mais quoi? C'est vrai que j'ai joué au tennis l'année passée. T'étais sous aussi. Quand tu trouves un terrain de tennis à 2h du matin, un peu réchaud, tu vas jouer au tennis. Je veux dire, t'as rien de ça à faire, cette heure-là. Hein? Ben, dormir, mais tu sais. Non, mais peu importe ce que tu fais, tu sais, name it, là. Je sais pas. Allô, ça va? La trottinette? Non, mais hey, la madame, là, écoute-moi, là, je sais que tu me parles en ce moment, là. Pourquoi le monsieur est dans la conversation? Je t'avais dit de pas me tromper avec. Hey, encore. Bruno, à chaque fois qu'on entend un téléphone dans une toune, ça arrive souvent, là, à chaque fois, t'as la même réaction, puis à chaque fois, je la ris. mais je pense qu'on pourrait compter. En fait, on va demander à nos auditeurs de réécouter toute l'intégrale des épisodes de la cassette. Puis de noter à chaque fois qu'il y a une sonnerie de téléphone, à chaque fois que tu as cette réaction-là, après moi, on est rendu à 3 ou à 4. Ouais, mais si vous le faites au complet, vous gagnez un épisode de la cassette. Ouais, mais là c'est parce que n'importe qui pourrait arriver et juste nous écrire et donner un chiffre, puis là, on ferait « Ah, ben voyez, t'as raison. » Penses-tu qu'on va tous réécouter les épisodes non, juste pour pas. Voir si c'est vrai? Non. Hey, woman. Hey, j'ai écrit la pire joke aujourd'hui. Voici. C'est pire qu'une joke du Maurice Larrelève sur Facebook. C'est travailler dans une garderie, je serai le garde du riz. Tellement mauvais que j'en ai de drôle. C'est pareil comme je l'avais déjà compté à la cassette, mais j'étais allé dans un magasin, tu sais, puis il y avait. Je pense que c'était une bijouterie. Je pense que c'était ça. J'allais dans une bijouterie, je regardais les montres. Le bijoutier est venu me voir. Je disais, ah, est-ce que vous en avez d'autres? Je disais, ah non, sont toutes là. Puis j'ai fait comme, ah oui, c'est votre seule salle de montre. Puis je suis parti. Je me trouvais bien drôle. Puis il a fait comme. Puis je vais être honnête, je veux dire, c'est pas arrivé pour vrai. Ça, on va le dire. Je veux dire, je l'ai déjà raconté à cassette. Mais je peux aller le faire pour vrai. J'ai eu l'idée de la joke. J'ai fait, hey, ce serait une bonne anecdote pour la cassette. Pourquoi ne pas la raconter? Donc, t'es en train de faire d'inventer des situations? Non, pas nécessairement, mais en même temps, je me back pour... tu sais, si jamais on se met dans la merde avec une histoire, je vais pouvoir dire que c'est parce que je l'ai inventé dans le contexte de la cassette. C'est juste me backer et tout ça. Dans quelle raison qu'on se mettrait dans la merde? Non, mais c'est vraiment arrivé l'histoire de la montre, par exemple. Je voyais que t'es carré, man. Je pense que je vais te frapper. La violence, ça règle toutes les jeunes. Non, mais l'histoire de la montre, ça, c'est vrai, par exemple... Tu sais, je veux dire, c'est pas forcément à faire comme gag. J'étais allé faire ça à un bijoutier que c'était pas la première fois qu'il l'a entendu, c'est sûr. Mais les autres histoires, là, celles qu'on pourrait se mettre dans la merde, ceux-là sont pas vraies. OK. C'est comme l'histoire du boudin au restaurant. Je sais qu'on l'a déjà compté. Mais ça, c'était vrai, là. Mais ça, c'était vrai, mais pas une serveuse. Pas vite. Ouais, mais elle l'a pas catché, fait que c'est la première fois de celui qu'elle l'entendait, ça veut dire. Je pense que c'était son premier client aussi qui prenait du boudin. Peut-être. Sauf que... Mais quand je fais mention de l'histoire qu'on pourrait se mettre dans la merde, là, ça, c'est l'histoire de l'été des divans. On l'a pas encore conté à cassette, mais si jamais on la raconte, là, ben, sachez, là, ça doit pas être vrai, ça. Il y aura fuck all de trouble légal. Non, on pourrait se mettre dans la merde avec cette histoire, là. Si on nomme pas de nom, on n'est pas dans la merde. Ouais, je suis pas sûr de celle-là, moi, mais bon. Pourquoi? Parce qu'on va on va nommer la maison des pauvres de Saint-Rémy. Ben non, parce qu'on a nommé à la ville, puis que le gars, il peut... En tout cas, on va garder ça pour l'épisode 200, OK? L'été garde, des écoute, on va passer une heure à rire de toi au début. Parce qu'on mois. Pourrait passer à des... Ça, je le sais, peu importe que tu vas vouloir. Mais tu vas être prêt à inventer des choses même pour rire de moi. Je le sais, Bruno, je te connais. De toute façon, moi, Mac et Belbédane, on va se mettre sur toi, on va rire de toi. Puis après une heure, on va commencer à compter l'histoire des divans. Mais pourquoi? Ben pour faire du temps. Comme ça, on va éviter tout trouble légal. Écoutez le deuxième, le 200e épisode de la cassette, ça va être malade. Ça va Bruno, être un dîner de Bruno, il va essayer de faire du temps parce qu'il ne saura pas quoi dire. Non, au lieu de faire un épisode de qualité. Non, juste pour... T'as un bon 200e, ça, Bruno? Ah, écoute, j'étais un génie. Fait que Skyline Whispers, c'est ça. Hey, t'as pas Bruno, fini ta critique. T'as Bruno, t'es un bon gars. T'as pas fini ta critique de Skyline Whispers. Non, honnêtement, je vais te le dire, Bruno, j'ai rien à dire sur ta bande-là.
J'ai aimé ça. T'as sur 10. Non, mais j'ai vrai. Attends, non, je veux quand même préciser, là, parce que ça ferait vraiment une mauvaise critique de dire que j'ai rien à dire. Non, écoute, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Sauf que tout ce que j'ai dit en début de podcast, ouais. On en a parlé pendant peut-être 10 minutes avant de parler de l'album, on a parlé du groupe en tant que tel, ce que c'est. C'est quelque chose qui s'applique à pas mal tous les albums. Parce que même si le son évolue, ça reste toujours le band qui va aller spotter tous les clichés. Il va dire, on le fait, mais on rend ça bon. Ouais. Fait qu'honnêtement, à part de dire que c'était pas surprenant. En fait, c'était surprenant à quel point ça pouvait être prévisible, mais à quel point c'était bon pareil. Ça, je pense que c'est ce que je dirais de chaque album. OK. Ouais. Fait que ta note sur 10? Je vais donner un autre 8 sur 10 à cet album-là. T'as-tu sur repeat? Ben là. Bruno, j'avais pas fini ma phrase. 8 sur 10. OK. Pour vrai, ça, c'est l'épisode que Xavier est haïssable aujourd'hui. T'es tout le temps haïssable. Ma note sur repeat, ça va être The Header Report. Et à skipper, ça va être The Spanish Ghost. Celle-là, je la 16e moins, honnêtement. Je sais pas, il y avait de quoi que j'aimais moins de cette chanson-là. On est rendu sur quel album, là? C'est parce que les tunes sont longues. On était encore sur le même album, là, sur Skyline Whispers. OK. J'avais peur qu'on soit déjà rendu sur l'autre album, parce que tout le temps, même tune. Fait que... mais c'est ça, c'est exactement... C'est ça que je veux dire. C'est tout le temps la même affaire, mais ça n'empêche pas d'être bon. Non, exactement. Ça n'empêche pas que, honnêtement, je me suis zéro tanné du band cette semaine, mais qu'après ça, je sais qu'à un moment donné, je risque d'en réécouter, mais je sais pas quand. Je serais pas empressé de réécouter cette band-là. Je vais pas commencer à me dire « Wow! » C'est révolutionnaire. Non, ça imite tout ce qui s'est fait dans le passé, mais ça le fait tellement bien que c'en est bon. Ouais. C'est un macaroni au fromage avec beaucoup trop de fromage. Mais en même temps, est-ce qu'il peut avoir trop de fromage? Pas sûr. C'est bon du fromage. Pas quand t'es vegan. C'est meilleur du fromage. Tabarnak. Tu commences à savoir que quelqu'un est vegan? Tais-toi pas, tu vas le savoir. Il va te le dire. Bon, fait que toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Des vegans? Non, mais l'album. Ben, j'ai donné ma note. Donne-moi là encore, j'ai aimé j'ai ça. J'ai donné 8. Je veux les réentendre, j'ai eu du fun à t'écouter, Bruno. Ben, non, tu réécouteras la cassette, c'est tout. Tu vois, comme moi, la nuit, là, t'écouteras la cassette non-stop. Moi, je mets des épisodes de la cassette, puis j'écoute ça tout quand je dors la nuit. Ah, ouais, c'est vrai que standardement, t'écoutais parler. Non, parce ben que. Ben, non, c'est pas vrai, Bruno, c'est le fun. Puis, à matin, je me suis réveillé avec la voix de qui? Suave, Simon Portelan, c'est du sexy que Xavier Tremblay. On était rendu à notre première entrevue. Parce que genre. Ben écoute, si tu veux, dans les prochains mois, là, si tu veux te réveiller encore avec nos voix à lui et moi, t'écouteras le deuxième album des Costauds. Ou mieux que ça, on invite les pile-poils à la cassette. Ben ça serait cool, par exemple, parce qu'on a reçu Simon tout seul, on a reçu Simon pour les Costauds, mais on n'a pas reçu Simon pour les pile-poils. Ouais. Puis, spoiler alert... Ça complétait la trilogie, puis après ça, on ne l'invite plus. Là. Non, on non. Des limites, là. Fuck wow, off, wow, il est mort wow. Après. Non, mais tu sais, hey... On le reçoit une fois par an. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que chaque invité a un maximum de 3 fois qu'on peut inviter avant qu'on se dise que c'est plus vraiment des invités. Là. Rendu là, après ça, c'est rendu des chums. Ouais. Mais spoiler alert, les pile-poils vont venir à cassette. Vous dites pas quand, mais c'est d'ici la fin de 2019. Ah ouais? Ouais. Ah ben, tu m'en apprends une. C'est bon, t'en avais pas parlé? Clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil! Bon, hey, troisième album. Oui! Assembler Galactic! L'effet de surprise n'est plus là sur ce troisième album-là. Ça, c'est la première chose. C'est totalement vrai. On sait à quoi s'attendre. C'est ça. Puis ça devient redondant, malheureusement. C'est un album aussi qui va plus dans les ballades clichés des années 80. Ouais, puis il faut pas oublier qu'un album de Manfred Orchestra, c'est long. C'est du temps du 50-55. Ça frôle le 1 heure à chaque fois. Ça frôle tout le temps le 1 heure. Puis, tu sais, 1 heure de... Puis, tu sais, on l'a dit, OK, beaucoup de clichés, du cliché qui est volontaire, qui est voulu, qui est le fun même, qui est souhaité, mais ça reste quand même 1 heure de cliché par album, ce qui fait que, à un moment donné, ben, c'est dur de se faire déjouer. T'sais, c'est comme un goaler au hockey. Ouais, exactement. C'est dur à se faire déjouer. Puis malheureusement, comme l'effet de surprise, il n'est plus là sur cet album-là, le fait que ça commence à devenir redondant, l'affaire, puis c'est que ça sonne très aussi... Classic rock années 80, ce troisième album-là. Donc, ce qui sonne comme toute la musique que mon père aimait quand j'étais jeune et qui me mettait dans le char en disant « Écoute, comment c'était bon la musique dans le temps? » Je suis comme « Ah, oh, tabarnak! Ouais, » mais... Pas du Chicago. Mais il n'y a rien de pas mal. Pas du Boston. Mais il n'y a rien de mal à aimer ces bandes-là. Il n'y a absolument rien de non, mal. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que quand moi, j'étais jeune,
cette musique-là, j'aimais pas ça. Mais c'est vrai que, tu sais, si on pense à Chicago, à Boston, à ben des bandes... À Journey, ça reste du dad rock. C'est bien correct, sauf qu'à un moment donné, il y a une différence entre triper aveuglément puis triper parce que on va aller embrasser un peu le cliché, tu sais. Il faut savoir embrasser son côté Keten. Ouais, mais l'espèce, c'est important. L'espèce d'ironie, le côté ironique des deux premiers albums, ça ne retrouve plus sur le troisième album. C'est ça. C'est ça qui est dommage. C'est ça, exact. Puis, mais toutes les bandes qui, disons, entre guillemets, parodiées par The Night Flight Orchestra, parce que c'est plus de la pastiche que de la parodie, ouais. Je pense que c'est fait dans le but de se moquer de ça. C'est vraiment fait dans le but d'embrasser son côté Keten, de rendre hommage, puis de l'apprécier finalement. Ouais. Puis tu sais, toutes les bandes, là, Ted Lazy, il y a un côté Iron Maiden même dans beaucoup de chansons que j'ai remarqué. On prend en nommer 50, puis je sais pas pourquoi Ted Lazy me revient tout le temps en tête. Faudrait qu'on parle Steel Panthers, mais faudrait qu'on parle de Ted Lazy à la cassette. Ouais. Émile Bilodeau. À un moment donné, OK, on prend un break de la cassette pendant X nombre de temps. Juste assez pour que le monde s'ennuie, puis on rouvre avec The Boys Are Back in Town, puis on parle de Ted Lazy pendant une heure. C'est une autre mauvaise idée de même. Hey, The Boys Are Back in Town, c'est un esti bon tune, ça, là. Je pense qu'on va faire... Ah, oh, à un moment donné, on va faire un mixtape d'un genre dad rock. Puis on va mettre genre Kansas et Carry On My Wayward Son. On va inviter nos pères, Chris. Mon père va mettre la bottine souriante. Ton père va faire comme... Hey, il est vraiment bon, ton podcast, Xavier. Mon père fait comme... Tabarnak, ça me tente pas de parler dans le micro. Je pense que ton père et mon père, ils se battraient à la fin de la soirée. Mon père serait comme, bon, il est chaud encore. Il n'a pas mangé de tarte au citron, puis il en a mangé. La tarte au citron. Ça, c'est l'histoire qui me fait le plus rire de ton père. La tarte au citron. J'en reviendrai jamais de cette histoire-là. On l'a déjà compté, mais tout le temps drôle. Compte-la encore. Bon, regarde, on va raconter. L'histoire de la tarte au citron, c'est parce que mon. Ton père était chaud à Noël. À Noël, OK. Tu sais, vu que, bon. J'habite plus chez mes parents, vu que mes sœurs, elles vont souvent chez leur chum. Bien, évidemment, c'est sûr que les occasions d'avoir la famille complète sont de plus en plus rares. Puis, tu sais, je vais quand même souper chez mes parents, mettons, faire mon bon garçon peut-être une fois ou deux semaines, peut-être. Je sais, je devrais y aller plus, là. Je veux dire, quand même, mes parents, ils m'ont tout donné dans la vie. Sauf la beauté. Il m'a redonné sa chemise, mon père, même si après ça, il aurait eu frette. C'est un père, ça, un père aimant. C'est important, ça. Pas comme ton père à toi, Bruno. Moi, il m'a donné ses cheveux, mais il n'en a plus. Comme moi. Mais non, je fais bien des farces. Mais c'est ça pour dire que c'est ça. À Noël, bon, OK, on fêtait Noël, on dormait tout là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, ben. Tu te mettais chaud comme un cochon. On s'est permis, tu sais. Mais mon père n'a pas une grosse tolérance à l'alcool. Puis mon père prend des médicaments depuis à peu près 30 ans parce que, bon, il y a eu une intervention chirurgicale au cœur. Puis il prend des médicaments et tout. Bon, ben, on rentrera pas dans les détails médicaux. Mais... Parce que tu les connais pas. Non, je les connais. C'est fait de mettre une valve à l'aorte parce qu'il y avait un petit problème là mais c'est pas important. Puis on n'est pas un podcast médical, Bruno. Non, sinon, on serait riche. Oui, sinon, on aurait le pharmacien à la place de personne. C'est ça. Fait que ça pour dire que mon père, deux coupes de vin, puis il vient déjà le nez rouge, puis il est de bonne humeur, tu sais. Il est de bonne humeur comme moi à la fin d'un épisode de la cassette, et ce, au début de l'épisode. Tu vois le genre. Anyway, parce qu'à la fin d'un épisode de la cassette, au début, t'es agressif. Ouais. Mais il était de bonne humeur, il était heureux, la famille était là, il y avait du vin. La vie était belle, puis c'était Noël en plus, c'est le fun Noël, là, tu sais. Moi, j'haïs Noël à cause qu'on se le fait enfoncer dans la gorge trop tôt, mais Noël un 25 décembre, c'est toujours agréable, là, tu sais, surtout quand il y a de la neige. Surtout mais quand bon. T'es robineux. Non, mais bon, ça pour dire que ce soir-là, on ouvre les cadeaux après avoir soupé, puis après ça, on revient pour le dessert. Puis mon père, il est chaud un petit peu. Puis il est content parce que j'y ai donné le seul disque de la bottine souriante qu'il avait jamais réussi à trouver. Puis moi, étrangement, ça m'a pris 2 minutes pour l'acheter sur Amazon. Ton père est clairement allé voir au Music World. Même si ça a fermé depuis 20 ans. Je comprends pas pourquoi que le Music World t'a confirmé aujourd'hui. Puis après, il est allé au HMV, puis il comprenait pas plus. Puis après, il est allé au Archambault, puis il a fait comme... Ça, oui, les cassettes. C'est ça. Mais tout ça pour dire que... Il se bat la face dans la tarte au citron, il en laisse pas à personne. Il l'a mangé au complet. Je pense pas, honnêtement. Mais moi, je le sais que j'ai pas mangé de tarte au citron, j'étais déçu un peu. Mais c'est pas grave parce qu'il y avait d'autres. Pas très dessert, elles en viennent, anyway. Mais bon, le lendemain matin, mon père, il est comme, ouais, t'es un peu déçu, j'ai manqué à tarte au citron hier. Moi, je suis comme, non, tu l'as pas manqué, tu l'as mangé. Hein? Tu l'as
mangé la tarte au citron, il n'y en a pas resté. Mais non, j'ai pas eu de temps. Puis la veille, on s'était assiné avec en disant « Chris, lâche la tarte au citron, à un moment donné, il y a des limites, là. Mange-la pas toute, puis il a mangé toute le lendemain. Hey, on n'a pas mangé de tarte au citron. » Fait que c'est ça l'histoire de la tarte au citron. Tu voulais la réentendre, puis tu ris pas tant que ça, Bruno. J'étais un peu déçu de ta réaction. On l'a refait à 10 minutes. Là, t'es mieux d'être tight, là, Bruno. Okay. T'es mieux d'être tight, OK? Oui, on n'a pas mangé de tarte au citron. Moi, je trouve ça drôle, soyez. T'es tellement fait un blackout. Il était offusqué parce qu'il disait qu'il avait mangé la tarte puis qu'il me disait qu'il ne l'avait pas mangé. Vous auriez dû le filmer. Fais ça à Noël l'année c'est prochaine. C'est probablement arrivé, c'est ça le pire. Là. Vous l'avez filmé? Je pense que oui. Puis tu n'as pas montré les vidéos? Je sais plus. Comme moi aussi, j'étais chaud. Hein? Ouais. Bon, Amber Galactic. C'est n'importe quoi, cet épisode-là, Bruno. Ouais. J'adore ça. Oui. Je vais donner un 6 sur 10. L'effet de surprise n'est plus là. Le côté très classique rock, je trouve lourd. Surtout quand c'est un album qui dure pas loin d'une heure. Tunes Repeat, j'ai bien aimé Jenny. Tunes Skipper, Just Another Night. J'ai hâte que ça finisse, cet album-là. Honnêtement, c'est pas leur meilleur parce que je pense que la magie n'est plus là. Puis c'était fait au début pour être de façon ironique. Là, c'est tombé sérieux, ce qui est la problématique de l'album. C'est ça, exactement. Ce qui était à la base une joke est devenu sérieux. Comme dirait The Smiths, this joke is not funny anymore. Qu'est-ce que tu fais avec des sandales, Bruno? Je voulais juste t'écœurer. J'ai pas le goût de voir tes pieds. Yummy! Embrasse mes pieds. Lick my toes. Je pense que c'est la première fois que je les vois et ça m'écœure. Ben, j'ai acheté cette semaine. Non, tes pieds, pas tes sandales. Ah, OK. On s'est déjà baigné. Ouais, mais je regarde pas dans l'eau. Je regarde pas tes pieds quand je me baigne. T'aurais aimé ça. En fait, je vais te l'avouer, Bruno, à chaque fois que je me suis baigné chez vous, là, je me concentrais plus à pisser sans que tu t'en rendes compte. Tu sais que je vais me venger de ça. Hein? Comment? J'ai pas de piscine. Qu'est-ce que t'es un chien? Elle va boire ma dèche. Ça va. Bon, Amber Galactic. J'ai ri, quoi. Tu sais, comme je disais au début du podcast, c'est du cliché qu'on embrasse. C'est un cliché qui est volontaire, qui est cherché, qui est voulu. Puis je pense que c'est pour ça que c'était bon. Là, avec cet album-là, on n'est plus dans le cliché volontaire. En fait, on est rendu dans du quétaine volontaire. Je pense que la nuance est là. Je pense que quand que tu tombes dans le quétaine, c'est parce que tu recherches le cliché. Ouais. Tu passes une petite affaire à côté. La ligne est très, très, très mince. Mais je pense que c'est ça que s'est rendu, ce groupe-là. Mais c'est pas parce que c'est quétaine que c'est pas bon, par exemple. Parce que, honnêtement, j'ai vraiment eu du fun pareil à l'écouter. Oui, ça vient long. Oui, la surprise est plus là. Mais étant donné que chaque album se ressemble beaucoup tout en étant des genres différents qui se complètent, j'ai eu autant de plaisir à écouter celui-là que les autres. En fait, j'ai l'impression que si j'avais écouté celui-là en premier, ben je l'aurais autant apprécié que le premier album. Je pense que plus on avance en discographie, plus on s'habitue, mais ça ne veut pas dire qu'on se tanne nécessairement. Donc, ma tune sur repeat, ça va être Josephine. J'ai pas de tune à skipper. Et ma note sur 10, ça va être un autre 8 sur 10. La même note que les deux précédents albums. Quétaine. Oui, c'est Quétaine, oui. Honnêtement, cette bande-là, je vais le décrire en deux mots. Mério Rock. C'est shafté, mais c'est Quétaine. Exactement. Des beaux leggings. Il y avait des beaux leggings, Mario Rock. Je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix d'inviter Mario Bélanger. J'aimerais ça. Puis de dire, on fait un spécial gros show, mais on veut juste Mario Rock. Parce qu'on s'entend Poudy puis Chabot, ça n'a pas tant de profondeur. Ça serait ça le concept, sacrément. On invite juste Mario Rock. Puis on demande qu'il arrive déguisé. C'est juste son espèce de comment qu'on appellerait ça? De costume. C'est l'épisode pirate de Mario Rock. Il fait de la radio pirate. Parce que les deux autres gars veulent pas l'avoir. Parce que tu sais, Poudy puis Chabot, ça a été créé en fonction de Mério Rock. Ça n'a pas été créé. Le gros sais, show, ça a été créé autour de Mério Rock. Mais honnêtement, le gros show, là, je comprends pas que ça allait coûter cher à ce point faire un épisode, une série là-dessus. Parce qu'on s'entend, ça coûte cher faire de la télévision. Tu sais combien ça coûtait par épisode? Une couple de mille. 5 000. 5 000, ouais, c'est ça. Mais 5 000, c'est parce qu'il fallait qu'il paye le monteur, le réalisateur, le preneur de son. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il aurait fait ça, même pas, là, genre 5 ans plus tard, même pas 10, peut-être 10, mettons, qu'il aurait pu faire de quoi d'identique à ça, là. Ouais. Exactement la même affaire pour pas une crise de scène. C'est ça que le web a amené. Ouais. C'est ça que le web a amené, puis c'est merveilleux comme ça. Mais il était payé avec Musique Plus, fait qu'en quelque part, on a tous un peu payé pour ça. Ben non, c'était Mike Ward puis Paris qui payaient de leur poche, puis ils étaient remboursés après. Ben c'est ça, fait qu'au final, c'est pas eux autres qui ont payé. Ouais, ouf. Mais c'était
tu sais, ils ont fait ce show-là. Puis, honnêtement, ça fait partie des instant classiques de Musique Plus qui va nous quitter, d'ailleurs. Ça l'a pavé le chemin, cette série-là, pour tout ce qui a été série web par après. Ouais. Parce qu'on arrive à vrai en faire de quoi avec les mêmes moyens un peu. Parce qu'on s'entend, c'était à petit budget, là, le gros show. Là, c'était tout le temps les mêmes costumes. C'était, les mêmes perruques. C'était du mockumentary. Fait qu'on s'entend que, oui, c'était écrit, mais il y a des limites, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui se basait seulement sur, je dirais, le talent d'acteur, finalement, des gens qui jouent dedans, mais c'était tellement joué gros que ça en était ridiculement drôle. Tu sais, les situations d'épisodes, c'est tellement quétaine que... Tu sais, c'est drôle, on dirait qu'on est en train de faire une cassette VHS du gros show, mais il y a juste cette musique-là que ça fit, là. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas le choix. On va inviter Mario Bélanger, qui vient nous parler en Mario Rock. Genre un épisode complet avec Mario Rock. Puis le pire, c'est qu'il serait vraiment drôle. Ben, écoute, avant de dire ça, faudrait que tu y en parles. Ouais, faudrait que je rencontre Mario Bélanger à la base. Mais il a l'air d'un gars funny. Ah oui, écoute, il a l'air puissant. Puis en échange, je ferai un... Hey, c'est le seul gars qui était drôle dans Caméra Café, faut le faire, là. Ouais, juste même. Puis en échange, je ferai un épisode complet avec Mario Bélanger. Connaître le Mario. Qui est Mario? Pourquoi aime-t-on autant Mario? Ouais. Bon, hey, qu'est-ce que t'as pensé du troisième? Ben, on l'a déjà quatrième. Dit. On est déjà rendu sur le quatrième. On est sur le quatrième en ce moment? Oui, on est rendu sur le quatrième. Honnêtement, ça a été une grosse déception pour moi. La surprise n'est plus là, l'ironie n'est plus là. Honnêtement, je pense que le band décide de s'assumer en tant que band et non en tant que parodie. Je pense qu'ils sont devenus un band qui tombe dans les clichés et non, dans le pastiche. J'ai l'impression maintenant le groupe se prend au sérieux plutôt qu'à avoir du fun. C'est très long, les tunes sont très longues en plus, un album qui dure une heure. Puis honnêtement, c'est rien d'intéressant comparé aux autres albums. Si je te dirais, le problème, c'est que écoute les trois premiers albums, tu n'as plus l'effet de surprise avec cet album-là. C'est long à écouter, c'est pas si fun que ça. Je vais donner un 5.2 sur 10. Ma tune sur repeat, j'aimais bien Moment of Thunder, qui sonnait gros, quétaine. Ma tune a skippé The Last of the Independent Romantics, qui était assez longue, 10 minutes. Moi, c'est drôle, c'est ma tune sur repeat. Ben, je peux comprendre que c'est ta tune sur repeat, mais je peux aussi comprendre que c'est une tune à skipper parce que, c'était long avant que ça se termine, cet album-là. Je pense que le fait que la tune de fin dure 10 minutes, ça l'aidait pas. Je pense que c'est le genre de band que... Ça dépend du mood dans lequel t'es. Ah, mais je faisais du ménage, j'écoutais ça, je trouvais ça dans ça. Ce que je veux dire, c'est que on s'entend, le premier album nous arrive avec surprise, on est comme waouh, ça va être le fun. Puis on arrive au dernier, on est comme ouais, non, ça, c'est long, il n'y a plus d'effet de surprise. Je pense que si on avait, et toi et moi, si on avait commencé avec le dernier album, on aurait eu le même feeling qu'on a eu avec le premier. Je pense que honnêtement, parce que je te le dis, le problème, c'est qu'il n'y a plus l'ironie sur les deux derniers albums. Non, mais c'est ce que je te dis. L'ironie, il est juste dans l'effet de surprise, je pense, de réaliser qu'ils ont fait un band sur jouer sur cette nostalgie cliché-là des années fin 70, début 80. Mais ça reste sensiblement quatre fois le même album au final. C'est qu'à un moment donné, ça fait que la joke est poussée trop longtemps quand tu l'écoutes quatre fois en ligne. Mais si tu commences avec le dernier, c'est comme si tu commençais avec le premier. Là. Les derniers seront nos premiers dans notre réalité. Kitten. Ouais. Ça sonne comme Mario Rock. Non, mais pour, sérieusement, je veux dire, j'ai eu autant de plaisir. Oui, l'effet de surprise est plus là, c'est lassant un peu. L'album est long, mais moi, de la manière que j'ai vu cet album-là, c'était bon, ben c'est le dernier. Après ça, on aura plus le plaisir d'écouter du cheesy de même parce qu'on va écouter autre chose. On va écouter un autre band pour le prochain épisode de la cassette. Fait que je me suis juste dit, garde, je vais en profiter. Je vais profiter de la vibe, je vais assumer. Puis je vais avoir du plaisir à l'écouter parce que le plaisir, ben après ça, je l'aurai plus, tu sais. Fait que honnêtement, j'ai autant aimé l'album. Je lui donne un autre 8 sur 10 à cet album-là. Pour moi, ils ont fait 4 fois le même album, honnêtement. C'est plate à dire, c'est ça, mais les 4 fois, j'ai eu du plaisir. Ouais. Du plaisir cliché. Du plaisir pastiche. Du plaisir... C'est tout ce que je veux, du plaisir. On dirait... Ça se dit-tu tributaire? Je sais pas, peut-être. Tributaire, c'est peut-être un mot qui existe. Du plaisir tribal. OK.
tribal. Comme les tatouages? Non, mais ça n'a pas rapport, c'est pas un synonyme. À Star Soleil! C'est pas un synonyme. Anyway, 1 minute sur 10, Matin sur Repeat va être The Last of the Independent Romantics. Et à skipper, ça va être Pretty Thing Closing In. C'est ça. Ah ouais, hein? Tributaire, est-ce que ça existe? J'aurais. Si ça n'existe pas, Xavier est un imbécile. Puis si ça existe, Xavier est un génie. Ben, pas nécessairement, c'est pas moi qui ai inventé le mot. C'est ben, qui? S'il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Ça veut dire que je suis un génie s'il n'existe pas. Ou que t'es un imbécile. Pourquoi? Ben, quand tu sais pas quoi faire, t'inventes des mots. Puis il y a juste des imbéciles. Parlant d'imbéciles, j'ai écouté le documentaire ben, sur. En même temps, je l'ai pas vraiment, vraiment inventé. Je me suis fié sur l'étymologie du mot. Parlant d'imbéciles, j'ai regardé. Et voilà, tributaire qui paye tribut est soumis à une autorité. Deux qui dépend de. Donc, oui, tributaire, ça existe, donc je suis un génie. Non, mais ça ne fit pas dans ton plaisir tributaire. Ça ne fonctionne pas ton. Mais ça marche, qui paye tribut à, qui fait un hommage. Ouais, un tributaire, et voilà. Non, tribut, parce que tu fais l'anglicisation de tribute, mais tribut, c'est un groupe de personnes, tribut. Non, mais définis-moi là. D'abord, le mot tributaire, il veut dire quoi? Qui dépend de quelqu'un, de quelque chose, qui fait tribut. Attends une minute. T'as la définition, tu l'as même pas comprise. Non, non, mais c'est toi qui l'as pas compris. J'ai compris! Tributaire, moi, je te dis que ça rend hommage à quelque chose. Je suis convaincu, moi. Parlant d'imbécile, j'ai écouté le documentaire de la Flat Earth Society. Parlant d'imbécile, fuck you. J'ai écouté le documentaire de la Flat Earth Society sur Netflix. OK. Tu sais ce qui est le plus drôle? Le mouvement est parti d'un gars du Québec. Pour vrai? Ouais. C'est un gars qui avait fait en route vers mon premier gala juste pour Rick. Du coup, à fin 2008. Mais OK, ben un synonyme de tributaire, ça serait dépendant. Bon, tu vois, ça fait pas. Mais ça fait pas de sens. Si l'étymologie me foirait le cul. Parce que toi, t'as fait un anglicisme. En tout cas, genre. Quand j'habite avec un anglophone, qu'est-ce que tu penses que ça donne? Hé, hey, on t'a rien demandé. Véritable. En tout cas, je regardais le documentaire. Tu regarderas ça, le documentaire de la Flat Earth Society sur Netflix. Tout le monde qui dit qu'ils ont découvert que la Terre était plate, tout du monde à qui tu voudrais jamais passer une carte de crédit. Hey, moi, je passerais même pas mes clés de char à ce monde-là. Là. Non, non, mais tu sais, ils pensent que la Terre est plate, puis ils n'ont aucun background de scientifique. C'est du monde qui sont dans le sol de leurs parents, puis c'est même pas une joke. Anyway, c'est pas pour t'en déplaire, en fait, que je te coupe là. C'est juste parce que l'épisode tire à sa fin. Puis là, on arrive sur la dernière chanson. Donc, ben, je pense que tout a été dit sur The Night Side Orchestra. Exactement. Si vous sentez généreux, faites comme Olivier Gobeil. Vous allez sur notre page Facebook. Vous cliquez sur l'onglet acheter. Vous allez venir à notre page PayPal. 5$ minimum. Faites un don à la cassette. Vous avez un épisode complet sur la discographie d'un artiste que vous voulez. Quand vous donnez plus, vous en avez plus. On aime ça avoir plus d'argent aussi. Ouais, puis bon état. La prochaine fois, je serai pas aussi assis. Haïssable, ou bien peut-être que je vais l'être. À la prochaine cassette, les cocos! Hey, c'était mon catchphrase. Ça, c'est à moi, Star. Fuck you. À la prochaine cassette. Bye, les cocos. Hey, je suis venu à la cassette. Tabarnak. And let them take me out into the night.